Là, je vous présente l'une des premières baptisées de la mission, Vie et Lumière. Voilà, elle s'est convertie en 1951, elle s'est baptisée en 1952. Donc, avant de nous dire quelques mots de témoignage, hein, voilà, gloire au Seigneur, comment elle a rencontré le Seigneur. Voilà, tu peux y aller. Oui, ben, c'est-à-dire, on était seuls, on n'avait plus de parents. J'étais avec ma sœur Violette, la plus vieille, qui restait, quoi. On était à quatre qui restaient. Et puis d'un seul coup, on voit Mans arriver. Et puis Mans, il voulait faire des réunions, puis il n'avait pas le droit de les faire. Parce qu'il n'était pas serviteur. Il voulait baptiser sa femme, et sa femme, il disait comme ça que sa femme fallait qu'elle baptise. Mais il n'avait pas le droit. Alors on allait avec lui, moi et ma sœur Toto. On allait à la réunion. Et puis tout d'un seul coup, on a rencontré le serviteur, le Cossack. Il dit, vous êtes chrétien? Il dit, non. Il dit, moi, je voudrais bien être baptisé. Alors, on a été à Pinmar, en été. C'est lui qui nous a baptisé, le Cossack. Et puis, il faisait froid. Alors, il y avait moi, ma sœur Toto. Il y avait Mans, Pounette, sa femme. Et puis son frère à Pounette, qui s'appelle Paul Pélogat. Alors on a été à la mer, c'était dans la mer, hein. Puis tout d'un seul coup, il dit, vous êtes les premiers baptisés que je baptise dans les Gitans. Alors, donc on était contents. Alors on allait à la réunion, après on suivait Mans, pardi. Et puis d'un seul coup, on a trouvé plein de monde. Et c'est Mans qui, ça part bien de Mans, quoi, qu'il y a eu beaucoup de chrétiens. Et puis le Gajo, le Cossack. Alors, comme il disait, vous êtes les premiers baptisés. Vous n'êtes pas beaucoup, vous n'êtes que cinq. Mais le Seigneur, il va faire et il va agir qu'il y en aura beaucoup. Et puis c'est vrai, il y en a beaucoup maintenant. J'étais toute jeune, j'ai connu le Seigneur à 14 ans. Et je me suis fait baptiser à l'âge de 15 ans. Et j'ai eu des bas, des hauts. Je me suis mariée de bonne heure. Et j'ai eu beaucoup d'enfants, voyez-vous. J'en ai eu 13. Et sur les 13, j'en ai perdu un qui avait 33 ans. Il a laissé 5 enfants derrière lui. Mais c'est pas pour ça qu'on a oublié Dieu. Moi et mon compagnon, on allait toujours à la réunion. Je priais pour mes garçons. Le Seigneur, fais de tes serviteurs. Et puis le Seigneur m'a exaucé, il a entendu ma prière. Ça fait que j'ai 4 serviteurs parmi moi. Ils sont toujours avec moi. Si c'est pas un, c'est l'autre. Alors je vais vous dire les noms, c'est Babi, c'est Tiena, Pitou et François. Et faisons des réunions partout, c'est qui vont. Et moi, chez mon garçon, qu'il a une salle, il prépare une grande salle pour baptiser et attirer beaucoup de chrétiens. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et dans ma famille, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas baptisé, c'est Soukan. Je voudrais que vous priez pour lui. Parce qu'il est vraiment incrédule, il est méchant, il veut rien savoir. Mais je compte toujours sur le Seigneur, qu'il se fait baptiser et qu'il vient à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je dis merci Seigneur de t'appartenir. Et depuis ce temps-là, voyez-vous, j'appartiens à Dieu et je continue toujours. Donc ça fait 68 ans que tu appartiens au Seigneur et ça fait 69 ans que tu es baptisé. Oui. Gloire au Seigneur. Voilà, mais dans le courant de l'année 52, après vous, il y a eu encore des autres baptêmes. Hein, il y a eu encore plein de baptêmes qui ont suivi. Mais vous êtes les premiers baptisés de la mission Vie et Lumière. Oui, c'est vrai. Gloire au Seigneur. Il n'y a que toi qui reste aujourd'hui. Oui, voilà, surtout. Gloire au Seigneur. Et tous les autres sont partis. Oh, ils sont partis avec Dieu, sûrement. Hein. Voilà. Et il n'y a que moi qui a resté. Gloire au Seigneur. Et puis j'ai des hauts et des bas, je suis toujours malade, voyez-vous. Mais c'est pas pour ça que j'oublie Dieu. Parce que je vais toujours à la réunion et je prie mon Seigneur. Gloire à Dieu. C'est un encouragement pour ceux qui ont écouté ça. Oh, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui ont besoin d'entendre des choses comme ça. Parce que c'est par les problèmes qu'on passe aujourd'hui. Donc je pense que ça va encourager les gens à s'attacher davantage au Seigneur. Voilà. Béni, alors, quelle famille que t'es toi? Je suis une sosère, moi. Bon.
Mais mon compagnon, c'était un vice. Il y en a beaucoup qui l'ont connu, c'était bourri. Bon, gloire au Seigneur. Voilà. Hein, c'est une des premières baptisées de notre mission Vie Lumière. Elle est toujours en vie, gloire au Seigneur. On remercie le Seigneur pour ça, parce que Dieu a fait son œuvre. Et puis Dieu continue à la bénir. Voilà, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège en travers ces problèmes, ces épreuves qui nous entourent encore aujourd'hui. C'est vrai, voilà. Seigneur. Que le barreau des rêves étende sa main sur chacun d'entre vous. Amen.